c'est vraiment pour nous un projet qui nous permet de monter de la base. Souvent, les décisions de financement sont prises depuis Port-au-Prince et ne répondent pas forcément toujours à ce qu'eux-mêmes ils considèrent comme étant les priorités. Nous avons la garantie que les projets qui sont réalisés dans le cadre du PRODEP sont vraiment des projets souhaités par la population. C'est eux, à travers un système de réunions, de discussions, qui analysent les différents projets possibles dans leur localité et qui décident en groupe quel est le projet qui va être financé à l'intérieur du PRODEP. Dans tout le monde, il y a un problème d'éducation qui est vraiment grave. Les élèves n'ont pas les moyens de faire recherche. Les professeurs également n'ont pas faire recherche. Nous pensons qu'un projet comme ça, il va améliorer la qualité d'éducation. Avec le support de l'autre organisation, il était recueilli prioritaire, il était voté. Et c'est ainsi que nous avons sans ça que nous avons là. Chaque projet, c'est 17 500 $ américains. Chaque unité, il y a 4 petits projets. Mais 4 petits projets, ce n'est pas un monde ou un groupe de monde qui choisit, c'est toute unité ça qui met ensemble, qui dit, mais ça, il a décidé de faire pour la taille. Nous-mêmes, comité CoPRODEP, qui nous là, dans le cadre de la démarche de son projet, ça, dans le cadre, on ne peut pas faire gestion dans le cadre. Et puis faire suivi pour est-ce que tout le bagage allait bien dans ce sens. Il n'y a pas de route qui sort dans le centre communal, aller dans la section. Il n'y a pas de machine pas capable. Puisque c'est plusieurs petits projets, nous mettons la dame là dans tout. Pourquoi? Parce que la dame là constituée comme une sorte de salon. Nous. Décider de venir travailler sur la place d'Amna, au moins pour nous réhabiliter la ville. Si le magistrat n'a pas collaboré avec nous, on ne connaît pas tout le marché. Nous travaillons de concert avec ni Azek, Kazek, la mairie, les députés, les sénateurs. Nous toujours marier nous ensemble pour nous faire communauté avancer. Philosophie pour déplacer, c'est le comité de base au CBO. Et c'est la première fois qu'il a fait expérience. Là, il y a des choses là-dedans, il y a des efforts là-dedans. Ça a fait venir plus attention. Il y a un peu plus d'intérêt, il y a intégré tout dans ce qu'il a fait là. Bureau BTC, t'es kembe prestigieux et puis kembe nous et puis ban nous formation sévèrement juste nous arriver réaliser projet ça. Participation Mofal, lui-même c'est terrain de gagner. Les bails terriens comme participation pâle. Mais après ça, tout ça que fait là, c'est l'argent pour des plats financer nous. C'est avec nous faire tout ça. Formation nous recevoir, lui faire nous venir plus éclairer, lui faire nous venir plus contre le monde. Nous avons qui gens pour nous gérer le business nous avons qui gens pour nous pas perdre graisse nous dans le business nous. Lui faire nous comprendre un peu le bagage. Donc il y a des centaines de carreaux de terre. Donc ils sont grenier pour les autres villes voisines. Nous pouvons irriguer plus de 200 ou 300 carreaux de terre. Mais nous avons 4 km pour nous être capables de faire maçonnerie. Nous ne sommes pas capables de faire. Ça veut dire que nous avons insuffisant. On a là nous fait tout côté difficulté empêché pour passer. On a nous fait ça avant, que si il y a une possibilité pour faire tout en maçonnerie que tout a fait. Nous n'avons pas de cas de jouer de l'eau pour nous arroser tête ça. Pour nous, nous avons un espoir que nous allons planter maïs petit. Le guim, c'est plus gros bagage que le projet de faire pour nous là. Et encore, en second lieu, lui permettre que nous employons un paquet de monde qui travaille, fait petit bloc, qui met un petit corps dans le prochain monde. Choix ça a été fait, cette organisation qui était Chita, qui était planifiée, pensée pour qui ça que tu as proposé. Effectivement, je décide avec des magasins, boutiques agricoles. Face à un problème que la population a vécu dans la zone, la réalité magasin ça, comme des cas de ça, c'était un sauveur pour la population dans la zone.
Tout le monde qui vit dans la communauté est obligé de voyager sur ça. Parce que ça a lieu de représenter un capital avantage. C'est la première fois qu'un OCB, ça a une organisation de base, joue une chance lui-même pour l'exécuter un petit projet. Ça veut dire qu'il fait gestion projet, il prend formation, c'est lui qui fait comptabilité, il organise. Et la première fois qu'on arrive direct dans le OCBO, et ça fait nous sentir nous plus ou moins grand monde. Nous avons ça lui-même, nous avons une minute presque où l'on barre les pistaches. Et pour l'on barre à la main manuellement, ça prend presque 3 à 4 heures de temps. 17 500 dollars américains, ça a fait miracle dans la communauté panouan avec des quantités que nous avons là qui pistache avec moulin en bas, ça et au cap ferm en bas et tout l'autre nous avons une espérance semblée, nous avons espoir en activité qui là capable finalement permettre de faire la vie. Ce type de projet financé par le PRODEP est un cadre fantastique pour la diaspora pour pouvoir aider directement en Haïti, aider directement les populations et dans certains cas, aider directement les communes auxquelles ils sont intéressés. Puisque nous avons des projets qui sont déjà étudiés, attendus par la population, il y a un système de gestion de ces projets qui est déjà mis en place. Donc si la diaspora ou nos amis de l'extérieur veulent envoyer de l'argent, c'est un circuit que je recommande fortement. Vive Haïti ! Vive l'air ! Vive l'organisation ! Bravo !